Salut les filles, c'est parti pour un nouveau tutoriel make-up. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Eh bien, je reviens avec ce nouveau tutoriel inspiré de Kim Kardashian. Si vous êtes intéressés, si ce maquillage vous plaît, restez. Surtout, ne quittez pas la vidéo et regardez la suite. Je vous invite également à vous abonner pour celles qui ne le sont pas encore. Et pourquoi pas laisser quelques commentaires ou quelques pouces positifs, histoire de m'encourager un peu. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Je reviens bientôt pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo, conseils, make-up. Donc on se revoit très bientôt. Ciao ciao. Coucou les filles, c'est parti pour ce nouveau tutoriel inspiré de Kim Kardashian. Je commence par appliquer mon fond de teint de chez MAC à l'aide d'un pinceau sur l'ensemble de mon visage. J'applique ensuite un deuxième fond de teint d'une teinte plus claire que ma carnation sur les cernes afin de préparer l'application du correcteur de teint. Je viens ensuite poser le correcteur de teint sur les cernes, le front, le menton, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Je l'estompe ensuite à l'aide d'un pinceau plat. J'applique ensuite un correcteur de teint plus foncé que ma carnation. On passe ensuite au maquillage des yeux. Après avoir appliqué le correcteur de teint comme base, tant que je n'en avais pas, j'applique le fard à paupières sur ma paupière mobile. Pour créer l'effet smokey eyes recherché, j'estompe tout à l'aide d'un pinceau. Après avoir appliqué le mascara, l'eyeliner, on passe au maquillage de la bouche et j'applique mon correcteur de teint de chez Kiko et un crayon marron pour créer un effet nude. Je viens ensuite parfaire le tour à l'aide d'un gloss transparent de chez Yves Rocher. Et voilà le résultat les filles. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner si vraiment ce que je fais vous plaît. Likez, commentez. Et on se revoit bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.